Salut tout le monde, c'est The Transistor pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator 2015, 2016 pardon, à Train Simulator 2016. Donc, on prend une petite mission vite fait. Si on appuie sur. Oh, attends, je vais réduire ma vitesse parce que c'est quand même monté à 40. Alors, si on appuie sur la touche 9, voilà, afficher le joueur. Voilà, donc moi je suis ici, je pars de Colne Ouest Quai 1, donc c'est marqué en haut. Et voilà, alors le prochain centre, enfin la prochaine tâche à faire c'est Colne Ouest Quai 1, donc je pars de Colne HBF Quai 7, donc voilà, je pars d'ici et afficher la tâche, ça va nous donner la tâche, voilà. Voilà, passer, prendre un passager à Colne Ouest, voilà, prochain arrêt, voilà. Franchement, ce train est, enfin ce train, ce jeu est vraiment bien, je trouve, parce que il est bien fait niveau graphisme. Franchement, j'ai eu vraiment le graphisme. Je me trompe pas, j'ai pris le graphisme le plus faible pour éviter de laguer, pour laisser un minimum le jeu fluide, même si de temps en temps j'ai des pertes d'FPS, mais ce n'est pas énorme. Et franchement, il gère grave. On va prendre un peu de vitesse à moins de 40, là ça, là il y a notre vitesse, voilà, là c'est la ligne de vitesse, donc la ligne de ce qu'on peut passer à 70 km/h, autant voilà comme ça. Là il y a le klaxon, là il y a toujours plus rapide, là c'est bon. Donc si on fait contrôle et plus aux autres caméras, voilà. Plusieurs bus, on a plusieurs touches, une c'est un cabine, 2 c'est à l'avant du train, 3 c'est à l'arrière, 4 c'est ouais, comme ça, qui est assez cool d'ailleurs cette vue. Voilà, c'est marqué en bas, vous avez vu là, il y a le prochain arrêt. Par contre, ça ferait mieux parce que c'est jamais plus. Voilà, on se met à 0. Là, franchement, il est cool. Après, c'est vrai, je connais pas tout, mais une bonne petite partie, je pense. Enfin, le principal, je pense. Truc là, genre je suis à 0 pour ça, c'est même pas censé freiner ni accélérer, mais bon, il se mettait à freiner, donc avance. Voilà, on va s'arrêter au quai ici, mais par contre si on va, ça n'est pas assez dedans, on pourra pas ouvrir les portes. Si on est trop loin, ils vont me dire échec, venir recommencer, tati patata, ensemble. Un peu, il y a le même train que le nôtre. Est-ce que l'arrière il est rentré? L'arrière il est pas encore rentré. Faut vraiment que là c'est rentré, sinon. Là pourquoi c'est mal fait? Parce que là il y a les barrières. Bon, c'est bon, il est rentré et là on va pouvoir freiner. Marchandises, de l'arrêt d'urgence, ça met le frein à 100%. Donc pour ouvrir les portes, il suffit juste de sur le curseur d'avoir un espèce, voilà, petit bonhomme là qui court là, je sais pas quoi. Voilà, d'avoir au moins ça sur son curseur. Voilà ça, et dès qu'on a ça, on peut ouvrir les portes. Et là, on a le temps pour le temps que comme et que ça s'affiche, ça disparaît.
Et on part. On va à la prochaine arrêt. Bref, on va attendre. Ah, voilà, ça fait contrôle plus. Voilà, hop, on a le clavier. Voilà, c'est ici. Et là, sur hop, voilà. Là, on a carrément l'avant, donc ici, mais on voit pas le chauffeur. On voit un peu sous terre. On voit un peu. Vraiment, vraiment. Vraiment bien fait niveau. Fouf. Niveau frein et tout, là, on les voit bien. Les batteries, là c'est pour les accrocher, les aimants, les câbles, et j'ai même su qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes nos gares si je me trompe pas. La vue intérieure qui est cool aussi, et même de la vue intérieure on peut même piloter le train avec le petit téléport d'ici. Hop, les portes vont se fermer, voilà. Là, le chrono il est parti et on peut redémarrer. C'est tout simple, hein. C'est vrai qu'après il faut genre avoir la patience ou quoi. Parce que franchement, qu'on voilà quoi, je sais pas s'il faut. C'est pas pour les gens qui sont speed en fait, parce que vous avez des trucs à respecter et des vitesses aussi à respecter et tout. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Maximité à 90, on va faire progresser la vitesse du train. Ok, je suis à 95%, enfin je vois pas trop. On se met à 100%. Vous allez voir le train commencer à partir de la flèche. Déjà 70%. C'est la partie là, c'est-à-dire en mode la prochaine gare. Si vraiment vous arrivez vite et que vous essayez de freiner au dernier moment, la plupart du temps c'est impossible. Et ce qui est aussi, c'est le train marchandise, c'est pas trop mon genre parce que c'est assez dur. Il y a des feux à respecter. Si on voit que le feu est orange, c'est-à-dire qu'il faut ralentir parce qu'il y a un train devant. Mais si vous ralentissez pas, ben, vous rentrez dedans tout simplement. Et pour freiner, c'est vraiment le bazar. Et là, faut vraiment que l'arrière du train ne soit pas au niveau de l'aiguillage, parce que sinon on se fait rentrer dedans par le prochain train qui arrive. Ouais, que genre si un train par exemple qui arrive en face ou là qui veut arriver comme ça, on rentrera tout simplement dedans. On va essayer de s'arrêter par là. On est à arriver. Ah, ça y est, je croyais que ça voulait pas ouvrir. Mais c'est bon. Bon. C'est vacances de Noël déjà. Donc je pense pas faire d'autres vidéos avant Noël, peut-être. Bon, en tout cas, je vous souhaite pas tout à fait ça. Et pourquoi?
Écoute, on va continuer, on s'en bat les steaks. Alors voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà, simplement. Et aussi le nouvel an aussi qui arrive juste après. Voilà, je pense pas faire cette vidéo spéciale parce que il y aura vraiment de monde chez moi. Bah, ils arrivent justement demain. Alors qu'on est que le 21. Et ouais, donc il y aura du monde chez moi. Je pense pas vraiment faire une petite voix exprès. Peut-être si j'ai vraiment le temps. Et voilà. De 80, j'étais à 86, je crois. Là, au moment, c'est censé passer à 140 km/h. Voilà. 40, ça. Et c'est vrai que le maximum à l'extrême, c'est 165 km/h. Enfin, c'était 160, excusez-moi. Bon, il y a là à fond, et après, juste un peu baissé. À 160 km là, ça va. Si ça fait une minute qu'on va sur nous, donc moi c'est des trains en bas qui arrivent en face. Ah oui, il y en a pas. Ah mais il y en a pas, ça c'est ça. Non, il y en a. Arrêt. Je crois que c'est bon.
prochaine arrêt. C'est bon, on peut arrêter le train. Et nous y voilà. Voilà, hop, on prend les passagers. Non, ce quoi d'autre? On est là. 1, 2, 3. Ouais, tout 3 et c'est fini. Le joueur il est où? Il est là. Tâche en est. C'est un train de marchandises vu la longueur. C'est quoi ça? Là c'est la prochaine arrêt. Là on va devoir s'arrêter. Qui est donc pas très loin. Là, on peut y aller. On est parti. Prochain arrêt, Zeeschmen, ou je sais de l'allemand, ça, à mon avis. Il y a un moment, on va croiser un train de marchandise que j'ai vu sur mon radar. Et le train est là. J'appuie sur je sais pas quoi, c'est pas exprès. Ah, c'est déjà ça en plus. Il est là.
J'arrive un peu vite. Et va, justement, il va. Et va. Vraiment arrivé vite. Hein. C'est tout, j'aime. Je suis en train de voir d'ailleurs à chaque fois. Hop, on ouvre les portes. En fait, le temps en gare il dure plus longtemps parce que j'ai pris. Je suis arrivé en avance. Bon bah j'attends. Ça je crois que c'est la toute dernière arrêt. Exact. Bonne HBF. C'est ça. C'est la toute dernière arrêt. On a un petit bout de temps par là. Bon. Mais qu'on peut y aller, ben on y va, écoutez. Je vais regarder, même si on a l'arrêt, je peux faire ça. Hop là, allez, on est parti. Non, la prochaine arrêt, je pense pas qu'elle soit loin. Un joueur. Tâche. Non, elle est juste à côté. Bon, on va mettre le paquet un peu. On va aller progressivement. Pour éviter de perturber les. D'habitude, on voit du monde, mais là. Personne n'en voit. C'est parti. Un petit brrr, ces voitures.
Je faisais gaffe. Eh ben, on a que de la chance, hein. Je regarde ma poche là dans mon levier. Si elle est trop loin, pourquoi ça va pas s'ouvrir? Ah, si, sur le levier, comme ça a été. Ça arrive quand même vite, hein. Ah, non, c'est ah mais hey, c'est un vrai chauffeur lui aurait logique. Ah non, il faut j'ai. Et enfin non, le prochain arrêt c'est 30 minutes. Joueur tâche. Et c'est bien le terminus. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment être patient pour un jeu comme ça. Je serais un bon pilote. Hein. Un bon tuteur parce que pilote, c'est pas un pilote pas mal. Ok, tu comptes te lever? Ah, t'es sous terre quand même. Arrive au terminus. Bon, un peu vite.
Ça va être long que voilà, que lui il ne gêne pas les pillages. Et que lui soit au niveau du fond. Je vais m'apprêter. Arrivé pour le terminus. Et voilà. Et donc voilà. Bon bah sur ce, on reste ici puisqu'après il n'y a plus rien à faire. Bon, je vais me dire. Félicitations, ou non, il vaut mieux de recommencer vu que là il y a une erreur. Je sais pas où, je suis au niveau des vitesses. Donc voilà, donc sur ce, on va se laisser ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et surtout, passez de bonnes fêtes à tous. Et régalez-vous bien. Allez, bye tout le monde.